j'utilise du financement de prévention pour faire des soins curatifs, même si c'est hors de ma juridiction. Mais la raison que je le fais, je vais vous donner un exemple là, qui s'est passé dans les deux dernières années. J'ai un aîné qui présente des symptômes de douleur à la poitrine. Il y a un antécédent dans cette famille-là de maladie cardiaque. Cet individu-là aussi a une condition. Il ne veut pas aller à l'hôpital Saint-Eustache parce que c'est français, c'est ci, c'est ça, les expériences, les antécédents. Il refuse de prendre l'ambulance pour les mêmes raisons. Cet individu-là se conduit à l'hôpital d'Hawkesbury, qui est à, pour ceux qui connaissent pas Hawkesbury, c'est à l'autre bord des frontières de l'Ontario. Ontario, c'est une petite ville ontarienne où il y a un hôpital. Et décède d'un arrêt cardiaque dans la salle d'attente en rentrant comme à l'urgence. Ça, c'est la réalité des gens.